Réunis dans les temples du savoir à l'Université libre de Bruxelles autour du président Massala Abraham, président de l'association Fatshi Béton AFB en sigle, les élites congolaises se sont retrouvées dans le cadre de la dernière ligne droite de la campagne présidentielle en RDC qui se déroulera pour une première de son histoire en Belgique avec près de 4000 enrôlés. Séance tenante, les nombreux membres des associations telles que Convergence pour l'émergence du Congo, FOFAT, Chant du Coq, pour ne citer que celles-là, et plusieurs partis politiques composant l'Union sacrée de la nation, se sont réconfortés en montant les derniers réglages pour qu'en date du 20 décembre prochain, leur champion, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse recueillir la plus grande majorité écrasante dans les dites élections. Il y avait la présence remarquée des personnalités politiques comme Madame Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, à côté de l'ingénieur Jean-Louis Tshimbalanga, président de Convergence pour l'émergence du Congo, ainsi que les orateurs tels que l'écrivain Benoît Bantou, le professeur Boniface Kabissa, requérant pour le changement de la constitution en RDC, Maître Bobo Katambaï, président de structure d'aide et soutien aux victimes du Congo. Merci d'être là. Au nom du chef de l'État, je présente ces compliments et ces remerciements pour votre soutien, pour votre présence. Et je sais que vous êtes très occupé. Venir ici à cette heure-ci, ça veut dire vraiment que vous avez de l'amour pour l'intérêt pour le pays. Et félicitations à King et à son organisation, Fatshi, les amis de Fatshi Béton d'avoir organisé ça. Et professeur, bravo pour vos 4 tomes. Je sais qu'écrire un livre est une chose, mais 4 tomes, je vous félicite énormément. Vous avez fait un très bon travail, vraiment. Merci beaucoup. Mais avant de commencer sur la nouvelle économie du climat, je vais quand même tirer un petit truc sur la justice parce que j'ai fait le droit au Congo et je n'accepterai pas qu'on parle autant de la justice qu'on laisse devant moi sans pour autant réagir. Mais, bison à bino, donc au monaké, les lots Wanda à la sous la macassi de la Katamogan. Et Zagan Mokawana, ce qui Wanda telemi, à Tioga Moussapiba, Mokomu Zenga Zenga, Nakoboeba. Les lots moutons au salon sauté. Donc les élèves ont néné au babarine, à Salini, à Sayamo. Ils sont en bourre à bison, à se référer à Lumumba, tant au Mouan bison, ça m'a touché très fort. Alors oui, l'histoire de notre pays, de l'Afrique en général, ne sera plus écrite ni en Occident, ni en Orient. Batouana, Rwanda, ils ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Faiblesse, la mission, corruption. Or, corruption est aussi la terre. Corruption est aussi la terre tant que nous n'avons pas un homme à la tête de la justice qui soit patriote. Sans pitié. Prenant à son tour la parole, leur hôte, le président Massala Abraham, président de l'association Fatshi Béton, remercierait l'auguste assemblée de leur présence et va rassurer ses invités de cette probable victoire qui se pointe à l'horizon en connaissance de la tendance des enrôlés qui sont majoritairement favorables au président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Tu es libre de son moment où tu es en Angola. Tant que tu es en là, ce qui est en Kébala, dans Lumbashi, tu es en Kinzonzi, dans le Congo, dans le Congo. Il faut bisonner
tout le activité ma casse pour la Mokonzi. Et ça, non-stop. Les amis de Fatih Béton, ils sont partout dans le monde, dans l'Europe. Tout ça, partout dans mon kiri. Tout ça, dans mon monde, dans mon avis. Tout ça, pour ça, tout le monde, c'est une majorité, surtout dans mon carré, autorité. Et ça, je suis un peu plus grand que moi, je suis un peu plus grand que moi. 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 Différents, là, il y a CNI. Ce qui t'a évité. Parti dans le sol IDPS, maison mère, ils ont travaillé. Tout le monde a parti IDPST. Toi, il y a une union sacrée pour la communauté. Bissonnier, il faut travailler. Tous à bon moment, on va reprendre. Tous aux urnes, le 20 décembre pour le numéro 20, en lui donnant un grand 20 sur 20, c'est par ces mots qu'a pris fin cette journée de sensibilisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ces mêmes 20. En attendant, veillons à ce que le patriotisme demeure notre fondement pour consolider les acquis, en lieu et place de repartir à zéro. Soyons nos propres héros, votons utile, votons Fatih. Dans les secrets des dieux, nous guettons. C'est un reportage signé Jerry Mukuna et commenté par Pichu Mulumba. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Voilà Christophe Mosso Kondia Bwanga. Pamoja na wengine kwa wakati huu rais wa chakula